les signes qui montrent que tu sortiras victorieux dans ces combats. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Comme je disais, je vais vous énumérer quelques signes qui vous montrent que vous allez sortir victorieux dans le combat que vous êtes en train de traverser. Donc, dans le moment difficile, dans des situations compliquées qui se présentent actuellement dans votre vie. Éternel, mon Dieu, je te rends gloire pour ces moments. C'est un privilège de parler de toi. C'est un privilège de t'écouter. Seigneur, nous voulons t'écouter. Prends le contrôle de tout et bénis toute personne qui me suit dans le nom de Jésus. Amen. Comme je disais, je vais vous énumérer quelques signes qui montrent que vous sortirez victorieux dans ces combats. Le premier signe, je vais parler de la paix intérieure. Vous êtes dans une situation compliquée. Tout ne va pas dans votre vie. Vous fournissez des efforts, mais vous avez des résultats bien au contraire de l'énergie que vous dégagez. Et alors, ça fait mal. La chair se fatigue, mais à l'intérieur de toi, tu sens que tu as une paix. Tu sens une paix intérieure. Tu as peut-être... tu viens peut-être de perdre un être cher, tu viens peut-être de perdre un emploi, tu viens peut-être de vivre une situation vraiment compliquée, mais malgré tout cela, tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a une paix. Physiquement, tu te sens faible. Physiquement, les gens peuvent même te voir faible. Mais intérieurement, il y a une force qui te soutient. Tu sens qu'il y a, une paix. Comme la Bible nous dit, je vous donne la paix que le monde ne donne pas. Donc, tu sens la paix des dieux en toi. Tu sens quelque chose de différent à l'intérieur de toi. Tu te dis toi-même, réellement, je suis en train de traverser des moments difficiles. Mais ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est autre chose. André, il n'y a rien qui se passe. André, je ne suis pas dans cette situation. André, ces combats n'existent pas. Pourquoi je sens cette paix pendant que je suis en train de traverser des moments difficiles? Pendant que physiquement, mes yeux ont de larmes qui sont en train de couler. Mais à l'intérieur de moi, je sens une paix que je ne sais pas expliquer. Sache que c'est un signe qui montre que Dieu va t'étonner dans cette même situation compliquée. Le deuxième point, je vais parler de la confiance en Dieu. Malgré le moment difficile que tu es en train de traverser, malgré la perte, je ne sais pas de quoi, mais ton cœur a toujours confiance en Dieu. Tu t'es dit en toi que ça va aller, ça ira mieux. Mais ta chair, elle est vraiment fatiguée. Ta chair, elle est vraiment dans son incapacité. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu continues à dire à ton âme que ça ira mieux. Tu es peut-être dans un lit d'hôpital et que le docteur t'a diagnostiqué. Le docteur a dit, dans ton cas, il faut appeler l'intervention des autres médecins, puisque ta situation commence à compliquer. Mais malgré tout ce que le docteur t'a dit, le docteur t'a pas menti, il a dit la vérité. Et toi-même, tu sais que ce que le docteur a dit, c'est la vérité. Mais tu continues à faire confiance en Dieu. Tu t'es dit en toi que ça ira mieux, ça marchera. Les gens qui te regardent, les gens qui te rendent visite, ont de larmes. Parce qu'ils ne savent plus te reconnaître. Ton corps a changé. Ton visage a changé. Tout a changé en toi. Mais toi-même, à l'intérieur de toi, tu te dis que je serai guéri. Tout ira mieux. Sache que Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Sache que tu sortiras victorieux dans cette situation compliquée. Sache que tu sortiras victorieux dans ces combats. Et le troisième point, c'est l'espoir.
N'est-ce pas que l'espoir fait vivre? Tu as des situations compliquées. Quelqu'un te dit, comme la femme de Job avait dit à Job, il faut seulement insulter Dieu et après tu vas mourir. Quelqu'un te dit, pourquoi Dieu peut te faire ça? Toi qui es son enfant, toi qui es son serviteur, toi qui es sa servante, comment Dieu peut te faire comme ça? Comment Dieu peut t'abandonner comme ça? Mais toi-même, dans ton esprit, tu sens que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Tu es en train d'espérer encore. Les gens qui sont tout autour de toi sont déjà désespérés quand ils te voient. Mais toi-même, tu as encore l'espoir. Tu te dis que ça ira mieux. Tu te dis que Dieu va faire quelque chose. Tu te dis que je crois à la grandeur et ainsi qu'à la puissance de Dieu. Tu te dis que, à ce que je sache, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il intervient toujours. Les gens te regardent. Les gens te donnent même l'impression de pouvoir insulter Dieu. Mais toi, au fond de toi, tu te dis, je ne peux pas faire ça. Il est mon Dieu. Que je sois en bonne santé ou pas, il restera mon Dieu. Que je traverse ces moments difficiles ou pas, il sera toujours mon Dieu. Et je sais qu'il va faire quelque chose. Quand à l'intérieur de toi, malgré les moments difficiles que tu es en train de traverser, tu sens qu'il y a une paix intérieure. Tu continues à faire confiance en Dieu. Tu continues à espérer. Tu imposes à ton esprit de pouvoir continuer à espérer. Parce que tu sais que Dieu va faire quelque chose. Sache que tu n'es pas en train de te tromper. Exactement, Dieu fera quelque chose. Je ne sais pas dans quelle situation où tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble. Je ne sais pas quel est vraiment ton combat. Mais en ce que je sache, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit de te dire que tu sortiras victorieux dans ces combats. Tu vas étonner les gens. Tu vas fermer la bouche de tes ennemis. Et ton problème fera que les autres puissent croire au Dieu que tu sers. Parce que ta situation, logiquement parlant, tu ne peux pas trouver une solution. Mais parce que tu as un Dieu, tu trouveras une solution. C'est pourquoi au fond de toi, tu es calme. C'est pourquoi au fond de toi, tu as une paix intérieure. C'est pourquoi au fond de toi, tu continues à faire confiance en Dieu. Tu continues à espérer. Ce sont deux signes qui montrent que tu sortiras de ces combats la tête haute. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse. On se retrouve sur un autre numéro.